cette route va être empruntée prochainement par le Tour de France, apparemment le 20 juillet, dans 2 jours. J'espère qu'on sera parti. Avant la montée, on transpire, on n'en peut plus, on va tout donner. Avant le sommet. Avant le sommet, ouais. Et voici, voilà, cette fois-ci on est au sommet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces personnes en vélo ont tout mon respect. Parce que franchement, je le ferais pas. Je sais pas toi. Toi tu le ferais, mais pas moi. Tu le ferais tout seul. Bah avec le vélo électrique, hein, tu fais tout. Oui, avec le vélo électrique, mais la plupart, ils n'ont pas le vélo électrique. Si tu peux avancer, ouais. Allez, voilà, nous sommes arrivés au petit Canada, le lac de Payolle. La première fois qu'on y vient, on ne sait pas à quoi s'attendre. On va essayer de se trouver une place pour se garer. Ça fallait s'y attendre en même temps. On peut s'y attendre parce qu'il y a le Tour de France. Ouais. Voilà, là on est dans la montée de la boucle pédestre qui va nous permettre de rejoindre la Ourcade dans 6 ans. Donc hier on l'a faite en fourgon et puis on admirait les vélos. Aujourd'hui c'est notre tour, on l'a fait à pied. Et c'est pas mal du tout non plus parce que je vous assure que franchement ça monte bien, régulièrement, ça ne mollit jamais, jamais un répit, tracé plutôt rectiligne en plus. Bref, que du bonheur. Mais bon, on est bien là quand même, on est dans les sous-bois. On va pas se plaindre. Ça grimpe, hein ? Alors, de retour à la maison, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi nous n'avons pas terminé cette randonnée qui devait nous amener jusqu'à la Ourcade dans 6 ans. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, au bout de quelques kilomètres, le petit sentier là, que l'on suivait, il rejoint la route départementale par laquelle nous sommes arrivés hier. Donc, déjà hier, il y avait énormément de monde avec beaucoup de cyclistes, des camping-cars qui s'installaient pour regarder passer le tour. Et en fait, le jour où nous y sommes allés à pied, c'était encore pire. Il y avait 2 fois plus de monde, beaucoup plus de difficultés de circulation, des difficultés à se croiser. Et nous, marcher plusieurs kilomètres le long de cette départementale avec la chienne qui est encore un peu jeune et qui a tendance à partir à gauche, à droite, on ne le sentait pas. Donc ce qu'on a préféré faire, c'était faire demi-tour et on est rentré rejoindre Helmut au bord du lac de Payolle. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons mangé tranquillement, on a pris notre douche, on a plié nos affaires et on a pris la direction du Pays Basque, puisque nous avions prévu de rendre visite à ma maman et à la sœur de Laurent. Donc on a passé quelques jours en famille. Et de là, nous avons repris la route en direction de l'Espagne, toujours, mais cette fois-ci pour rejoindre la province d'Aragon, où nous avons fait de nouveau quelques pistes et quelques randonnées. Et c'est la suite de cette vidéo, donc on y retourne, à plus tard.
Alors là, surtout, il ne faut pas louper une seconde de ce qui va se passer. Voilà. Voilà. Et là, elle saute. Non, elle saute pas. Hop. Allez, Joujou. On y est, la dernière branche. Parfait. Sacrifice pour épargner la peinture de notre joli fondant. Regardez-moi ça. Ça, si c'est pas beau. Ça, c'est magnifique. Ah ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bon, on est toujours à la recherche du Graal, c'est-à-dire un petit spot, une petite clairière avec de l'ombre. Autant vous dire qu'ici c'est un peu compliqué. Bon, c'est rigolo, sur le chemin on trouve des jolies choses comme ceci. Alors, ah, quoique ici on a quelque chose de bien. En revanche, on a des branches. Donc je pense que ça va pas être possible. C'est trop bas. Bon, finalement, on va quand même essayer de s'installer dans cette petite clairière, mais dans le sens inverse de celui que j'avais imaginé au départ, c'est-à-dire qu'on va rentrer en marche avant, de sorte d'avoir la porte et de se coller le plus possible ici en face, parce que c'est là qu'on a le point de vue le plus haut. Voilà, voilà, le chef y arrive. Un petit peu qu'à une cinquantaine de mètres du spot où on s'est posé pour ce soir, et bien se trouve ce superbe dolmen. C'est le dolmen de l'Étrange. La montée est déjà arde dans les cailloux, les rochers. Alors, le début? Comme d'habitude. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça part tout droit, à fond, et sans jamais s'arrêter. Tout droit en montée? Oui, tout droit en montée. Ouais. Je pense que les 245 mètres de dénivelé, on va les faire en 10 minutes. Et après, ça va être de la balade. Fuente del Paco. Ça veut dire quoi? Fontaine. Dans le langage du pays, on dénomme Paco les prairies, enfin les côtés ombragés des montagnes où les rayons du soleil tapent à peine, quoi. Au contraire, on appelle Solanas les vertientes orientales. Les versants orientés à l'est et au sud, qui sont fortement ensoleillés. Les eaux de la Fuente del Paco, en conséquence, sont appréciées pour leur fraîcheur. Voilà, nous sommes rendus au point de bifurcation. Donc nous, on va abandonner le refuge de Espata, là, qui est un poil trop haut pour nous, on va dire aujourd'hui. Et puis on va se diriger gentiment vers ce petit pont en pierre, pour rejoindre notre destination.
Alors là, quand même, le paysage est magnifique, avec un ciel bleu, pas un nuage. Voilà le petit bivouac pour le repas de midi et la douche, donc juste après la rando. Là, nous avons trouvé un petit coin un peu isolé où nous avons pu monter la toile afin de prendre la douche. Donc c'est toujours très sympa donc de pouvoir se doucher comme ça à l'extérieur. Donc nous avons bien entendu utilisé la cuve de la remorque. Et du savon bien sûr bio. Alors, ça donne quoi? Ça fait du bien. Douche fraîche? Ouais. Mais après la rando, c'est... Ah, c'est idéal. Ouais. Là, on fait du slalom géant entre les, entre les piquets. Mais là c'est un chemin là. Il y a une piste là. Donc il faudrait aller voir. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did sh- I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. I'm
Alors nous allons avoir quelques indications sur ce village. Alors, Bagouessé, alors on est à une altitude de 1270 mètres. C'est un village abandonné. À l'époque, il y a eu jusqu'à 9 maisons quand même. L'église, elle est dédiée à Saint Salvador. C'est une église romane de la moitié du 12e siècle. Ben, en fait, le village s'est dépeuplé dans les années 60. Voilà. Ah, mais il y avait quand même du monde jusqu'en 1960. Ça a été peuplé entre 1960 et 1970, à peu près, c'est ça. Ah, bah c'est incroyable quand même. Ouais. J'aurais jamais cru. Hein.